Salut tout le monde, salut les VTTistes, salut les cyclistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une sortie route avec deux abonnés à moi. Du coup, c'est eux qui ont prévu le parcours, mon tout premier 50 km. J'espère que ça va bien se passer. Voyez, le vélo, il est chargé. On a mis ça dans la Dacia. Sur la Dacia, on est parti. Il est 9h15. C'est 9h30 rendez-vous à Thiers. C'est bon, je suis pas en retard pour une fois. Bon, en espérant que tout se passe bien. Allez, c'est parti! Ça fait bizarre de te voir sur un vélo de route. Tu l'as pas ressorti depuis? C'est la première fois que tu le sors là? Ah d'accord. Ouais. Allez. Les abonnés. Direction Maringue. Ah, ça y est. Mais j'en ai parti, il est chaud. Ah bah maintenant on va le perdre. Hein. Et là on l'a perdu. Là. Salaud. C'est calmé depuis tout à l'heure là. Putain. Vas-y Johan, c'est un gros plan là. C'est fort. Belle petite sortie en groupe. Pas trop froid. Bon, ça va. Parce que t'es énervé, tu nous caches qu'après en fait. C'est ça, je te connais, tu m'as fait le coup à un moment. Hein. Hein bon, après la belle chute du Téléthon. Ah oui. Elle était belle, hein. Elle était pas mal. On avait fait fort, on avait fait fort. Ah là il est passé sur vélo traditionnel là. Il a laissé tomber la pile. Ah ouais, ouais ça y est il a fond là. Il s'est pris un vélo de route aussi. Ah il s'est fait un peu de vélo de route aussi, impeccable. Il roule un peu l'ancien là. Non en ce moment il roule pas trop mal. Hein. Il s'y tient là. Kilomètres déjà. Il a perdu le maillot jaune. Ah. Il a décroché derrière. Ah, ouais, tu m'arrêtes par là. J'ai fait la typo des copains de ans. Ouais. Je me suis trompé du téméraire. Oh, putain. Ouais, je pleure moi. Vous avez parti en où là? On est parti sur Vichy là en bas. Ouais, jusqu'à Vichy. Ouais. Bon après c'est la bonne route Vichy après. On dans les chemins. On prend un col. Ouais. Ça, on a une 70 ans, si vous plaît. Oh salaud. Ah putain oui. Ah, ça fait mal. Ah tu prends un coup bon. Ah ouais c'est clair, tu dis bon allez, je pose tout, j'arrête. Je vais vendre ça à la retraite. Alors tu fais style, putain j'ai une crevaison lente. Un quoi? Un petit quoi? Non. Non arrête. Arrête. On n'est pas fait pour les côtes. Nous.
Johan annonce la première montée. Elle est contente, elle a trouvé de voir une montée, elle s'est direct. Elle s'est reposée tout le long en fait. Salaud. Elle est longue ou pas? Un peu longue. Au Mont-Doux? Ah non. Dans la prairie? Ouais. Ça va bien. Ouais. Ah bon, t'es bien hein, par ceinture, hein, je te le dis. Hein. Je vais te reprendre Jojo dans la montée. Je vais te prendre dans la montée Jojo, première fois. Ah mais ça m'en va plus. Je peux pas t'en péter, je peux te péter du poids si tu veux. Donner du poids, nous on est gentils, hein, on partage. 46 km. Johan, ça va? C'est dur. C'est dur? Pour une reprise, ouais. Pour une reprise, un peu chaud. Ouais. 46 km pour une reprise, c'est beau. Beau vélo. Un jeune? Vélo. Un jeune? Non, c'est bon, j'en ai fini un tout à l'heure. Allez, ça se termine, Johan. Ça se termine, ça se termine. Là, tu connais là. Hein. Tu ce qu'on a, tu connais là. Hein? Si, on va arriver au croisement là, Pêche à Doigt. Bon, c'est bientôt la fin de cette sortie. 55 km pour l'instant. Ça se passe bien, ça a bien roulé. C'est sympa. Ça fait vraiment plaisir. C'est une bonne ambiance. Alors, merci à vous d'avoir roulé avec moi. C'est super plaisir. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, moi vraiment, j'ai pris énormément de plaisir. On est lundi, on va revenir sur cette sortie, on va faire un petit débriefing. Franchement, une super belle sortie avec deux abonnés, ma toute première sortie avec des abonnés, vraiment, je suis super content. La trace a été faite par Fabien, vraiment Fabien, au top. T'as géré vraiment un super parcours. Il y avait Johan avec nous. Franchement, Johan, bravo à toi. Un très, très grand bravo à toi. Je te mets double pouce, mon pote. Ça fait un petit moment que t'avais pas roulé. C'est ta première sortie sur route. T'as été dans le rouge. T'en as chié, mais t'as rien lâché. C'est vraiment le top avec toi. Vraiment, tu lâches jamais rien. Je te félicite encore, mon grand. Franchement... bravo, bravo, hein. Là, il n'y a rien à dire. Du coup, on va regarder un petit peu sur Strava ce qu'on a fait. Alors, on a fait 56,99 km, on va dire 57, en 2h24. On a super bien roulé, une moyenne de 23,7 km/h. Une vitesse maxi, on n'a pas pris de risque, du moins moi de mon côté, à 49 km/h. Pas énormément de D+, c'est moi qui l'avais demandé à Fabien par rapport à mon entraînement, par rapport à la... ma cuisse, je voulais pas aller taper dans le dur parce que là j'ai prévu de rouler 2 voire 3 sorties dans cette semaine là, du coup je voulais pas me taper dans la cuisse. Mais un super parcours, vraiment, vous êtes des mecs au top, vraiment j'espère ressortir avec vous, venir rouler vers chez toi Fabien, ou toi viens rouler vers chez moi, qu'on s'organise un truc... comme on l'a fait, vraiment, tout simplement, des mecs vrais, voilà.
Vraiment un grand merci à vous deux les gars, ça s'est vraiment super bien passé. En espérant que la prochaine sortie qu'on fasse avec des abonnés, qu'il y ait un peu plus de monde qui vienne, je sais qu'il y a pas mal d'Auvergnats qui roulent, venez rouler avec nous, c'est vraiment tranquille, c'est une bonne ambiance. Même si vous êtes d'un peu plus loin, si ça vous ferait plaisir de rouler avec nous, moi je vous accueille les bras ouverts et on partage notre passion du vélo tous ensemble. Bon, et ben sur ce, porte-toi bien. N'oublie pas, fais du vélo, fais du sport, et puis je te dis à la prochaine!